gens, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Combine, sur Black Ops 3 PS4. Voilà, petit gameplay avec à la fin une petite nucléaire et un très très gros ratio de kills. Cette fois-ci, je ne joue ni avec Fantôme ni avec Raps, ce sera que à l'arme, c'est-à-dire drone de débrouillage. Drone de brouillage et hater, aucune série de points aucun kill streak, pardon, excusez-moi, j'ai un peu du mal. Donc voilà, si tu suis mes gameplays depuis, si tu vois mes anciens gameplays, tu verrais que bah là que j'enfile mes enregistrements de gameplay. Donc j'enregistre depuis tout à l'heure à la suite de mes 4 derniers gameplays. Donc il est toujours 1h du matin, donc j'ai un peu du mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, encore une fois, un petit gameplay à la Razorback, où je vais finir avec un très 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 gros ratio. Qu'est-ce que je voulais dire? Et bah j'espère que ça te plaira, que si tu trouves que c'est intéressant, et que t'aimes bien, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. Donc si je me rappelle bien, je vais commencer plusieurs fois des séries, mais comme là je viens de mourir, j'étais à 15, je vais commencer 2 ou 3 fois ma série, et je vais mourir vraiment bêtement, soit un spawn back foireux, ou un allié qui va me tuer sans faire exprès. Donc là, à ce moment là j'étais accompagné de Phoenix, chef de la team PLFR, et de Wolf, membre de la team PLFR. Donc voilà, si tu me connais pas, bah, je suis Ultimate Dash sur PS4. Ma chaîne, bah, voilà, c'est Dash Multicoming. Donc voilà, je suis un joueur BO3. Un ancien joueur Call of aussi, donc c'est pour ça que j'ai des réflexes et des bases assez importants. Donc qu'est-ce que je pourrais différencier de ce Call of Duty, de ce Black Ops 3 ou Black Ops 2? Bah je trouve que c'est vraiment un mélange qui est bon, en fait, qui est vraiment, ils ont pris comme Triarch, ils arrivent à garder un graphisme important. C'est-à-dire, si vous regardez bien Black Ops 2, Black Ops 3 est tiré au niveau des graphismes de Black Ops 3. Il y a des graphismes qui sont... C'est juste que c'est le graphisme de BO2, mais amélioré. Vu qu'on est déjà en next gen, donc PS4, Xbox One, PC aussi, parce que mes PC, c'est depuis toujours. Ils ont une bonne qualité de jeu et des bonnes cartes graphiques plus puissantes qu'une console de jeu. Donc voilà, qu'est-ce que je trouve que vraiment c'est un très 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 bon Call of Duty. Les seuls défauts, c'est que souvent il y a des bugs de connexion, il y a encore des petits défauts qui devraient régler, mais vraiment minime, ça fait pas la différence. À des moments certes, au début du jeu, c'était vraiment imposant. Si vous aviez pas une bonne cause, c'était mort pour vous. Donc là, comme vous pouvez voir, j'étais en sans pitié et je vais mourir. Donc voilà, j'étais voilà avec la Razorback à mot diamant. Comme j'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, les dernières, quoi, j'avais dit que j'allais commencer des gameplays en live commentary, je pense, où je vais monter des armes. Je commencerai du... Bon, j'en ai déjà qui sont, comme par exemple toutes mes armes, toutes mes mitraillettes sont déjà au max, mais pourquoi pas commencer tout le reste, finir mes assauts, mes snipers, et pourquoi pas ne avoir le camouflage Dark Matter. Donc j'aurais peut-être une autre série aussi que j'ai oublié de dire, au niveau des clés de cryptage. Tu peux aller voir dans ma chaîne que j'ai un pack au Pénic de plus de 1000 clés de cryptage.
Donc je te laisse aller le suspense, voir ce que j'ai eu en ayant 1000 clés de cryptage. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Et bah que j'adore ce Call of Duty. J'adore jouer avec ma team. Je vous conseille vraiment d'avoir une team sur Call of Duty. Une team que vous pouvez vous entendre avec eux. Avoir les mêmes délires. C'est-à-dire ne pas être seul dans son coin. Je sais qu'au début c'est dur de rentrer dans une team. J'ai eu le même cas que tout le monde. Mais moi qui est de base assez timide et pas trop. Dès que je vois que les personnes sont sympas avec moi et qui me comprennent et que je les comprends. Et bah c'est le début d'une longue route. Si tout va bien, pourquoi pas. Voilà. Rester voilà jusqu'à la fin quoi, jusqu'à qu'il y ait séparation quoi. Donc moi je m'entends très très bien avec ma team. J'adore tout le monde. Il n'y a pas de différence. Du chef jusqu'à tous les membres de la team. Donc ça vous permet de vraiment progresser sur un Call of Duty. Surtout sur ce BO3 là. Si vous jouez surtout après en normal, vous pouvez vous débrouiller. Mais moi qui commençais en normal sur ce Call of Duty, je peux vous dire que c'était très 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 compliqué. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc là je suis un impitoyable. Donc voilà, je vais commencer une petite série. Donc là j'avais plus de munitions. Je prends mes précautions et j'essaie de trouver une arme par terre et de la garder avec moi. Donc c'était celle-là, c'était la SVK-30, arme de fusil d'assaut très 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 bien parce qu'elle fait très très mal. Voilà, donc si tu passes sur la chaîne, que tu trouves que c'est bien, que t'aimes bien ce que je fais, bah, lâche un commentaire, like, abonne-toi et partage ma vidéo, ma chaîne. C'est la seule chose que je te demande, juste d'essayer de faire connaître un petit peu plus ma chaîne. C'est pas que je dis que je le mérite ou pas, non, c'est juste, voilà, c'est un petit geste de ta part et voilà quoi. Donc là actuellement j'ai 16 abonnés, donc je sais que je suis très 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 loin de ce que je peux imaginer, de ce que j'ai envie de m'imaginer en fait, ce qui serait mon, voilà, mais ce que je voudrais en fait, mais c'est pas grave, il faut un début à tout. Donc là je vais vraiment les enchaîner à ce moment-là, ce qui va me permettre de prendre du kill et du kill quoi. Je suis en brutal, voilà, je suis à rien. Donc voilà, je te laisse avec la fin du gameplay comme d'habitude. N'oublie pas un petit like, un j'aime, un petit like, voilà, abonne-toi si t'es pas abonné, fais partager la chaîne. Donc voilà, Dash Multigaming. J'espère que ça t'aura plu. Je te dis à la prochaine. Et puis voilà quoi. Salut!